Et on est reparti pour du Phoenix. On va l'appeler comme ça, c'est plus facile. J'ai augmenté la rapidité de la caméra au passage. Donc, on est reparti. On a récupéré une nouvelle hache, on a récupéré des ailes. Donc, ces ailes brisées ne permettent pas de voler, mais elles donneront du rebond à chacun de vos pas. Cool. Donc, on a ça, on a notre nouvelle hache. 30% de dégâts avec le combo à la hache lorsque la santé est complète. Donc on fait plus de dégâts, je crois qu'on a pareil. Ouais. Donc quand on est full vie, on fait plus de dégâts tout simplement. Ah si, ça augmente le maximum. Si, c'est la dernière fois j'avais pas, je savais pas en fait. J'étais pas sûr. Mais ouais, ça augmente bien le maximum de potions qu'on peut avoir. C'est cool. Alors, paquetage numéro 1, paquetage permet d'effectuer des changements rapides d'armes et d'équipements. Oh, ça c'est bien ça! On a même des sets en fait. Alors les aptitudes, donc aptitude avec la hache. Ok. Là maintenant on a ça, donc on peut maintenir X. Ah voilà c'est ça, ok, la vitesse accrue, ça marche. Là c'est le double saut avec les ailes. Oui, et quand on voit un plus, c'est augmenté par l'équipement en fait, et je crois qu'on va pouvoir avoir plusieurs choses comme ça. Ah, c'est Y, d'accord. Donc Y pour quand ils sont. Ça marche. Donc nous on doit aller là, mais on a plein de petits trucs à visiter. Ah, il faut rester appuyé. Et du coup, ça me force à. Je crois que peut-être dans les options on peut changer. Parce que je vais vous montrer les options vite fait quand même. Mais on a beaucoup de différentes options. J'ai remarqué, genre sur les commandes et tout, par exemple. Bon, et la sensibilité, tout ça. Mais genre. Le double saut, action de marche, c'est quoi ça? Permet de marcher, garantit les déplacements. Vitesse de marche, sensibilité à souris, les flèches d'Apollon, annulation de la force de Héraclès, relâcher, accéder. Il y a beaucoup de différentes options en fait. On peut personnaliser les commandes aussi, toutes les touches. Donc on peut tout remapper si on veut, donc ça c'est vachement bien. Par contre, je voudrais bien qu'on puisse genre courir genre sans avoir à rester appuyé. Retour d'énigme, oui, non. Défi mythique de fresque, défi mythique d'Ulysse, légende d'énigme. Ouais, je pense pas qu'on ait. On a le HUD aussi, on peut enlever les choses. Et ça, c'est bien qu'il nous montre le HUD, honnêtement. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, ouais, je voulais vous montrer ça quand même. Il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas ce que je cherche. Il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas ce que je cherche. La course auto. Bon, après, je regarderai plus longtemps. C'est pas grave, parce que je vais pas rester 3 heures non plus dans le menu. Mais au moins, voilà, vous savez qu'il y a beaucoup de choses. Oui. Ça marche. Après, elle est fatiguée. Ça, c'est cool. C'est bien fait, le système. Alors je crois pas qu'on puisse monter là, escalader ça, à moins de d'utiliser 150 potions. Ah, je me suis défoncé. D'accord, on peut vraiment pas aller très haut. Enfin, sauter de très haut, je veux dire. Alors attends. J'ai envie de me balader un peu, mais dans un sens, je me dis qu'on devrait peut-être continuer à faire la quête. Principal. Bon, déjà c'est un peu plus. Ah, on peut casser ça? Ça fait quoi de casser ça? Non, rien du tout, ça marche. Les arbres aussi, j'imagine? Pardon, je passe.
Non, ça va. Je sais pas où je vais. Je me balade pour le moment. Où est-ce qu'on était au début? Ok, ça va, on y va. Je vais voir sur la gauche s'il n'y a pas des choses. Ah! Bonjour. Y, ça marche ou pas? Non. Non, c'est vraiment que quand ils nous ont pas vu en fait. Cool, cool, cool. J'aime bien le fait qu'elle s'arrête pas pour récupérer les objets par terre. Genre, je connais un jeu qui est vachement apprécié de tout le monde. Horizon 1 et 2. Où on a une petite fille qui arrête pas de s'arrêter en fait toutes les 3 secondes pour récupérer des objets. Et c'était extrêmement chiant. Et après, plus tard, il y a eu une mise à jour pour corriger ça. Est-ce que je peux passer? Ouais. Il y a une mise à jour pour corriger ça. Je viens à ton secours! Tiens bon! Ça marche! Si seulement Liguiron était là. C'est lui le héros célèbre, pas moi. Oh. Et du coup, c'est devenu beaucoup plus plaisant à jouer. Les créatures du Tartare en leur racontant une histoire. On va prendre les bestioles. Par contre, comment on arrive derrière le dos d'une bestiole en fait? C'est ça que je comprends pas. Dans le dos sans qu'elle nous voit. Genre on y va doucement. Ouais, c'est ça. Cool. Très bien. Oh, la caméra se remet bien dessus sur le prochain ennemi, ça c'est cool. Même alors qu'il était hors champ. C'est vraiment sympa. Oh waouh! J'avais pas vu qu'il attaquait. Très bien. Ok, bon bah les mecs se font face, je vais pas pouvoir les faire de surprise. Je fais de la merde. Ah, presque. Faut que je prenne l'habitude de regarder. Défi de déplacement. Ah, mais c'est un défi. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai même pas fait gaffe. J'étais tellement concentré à combattre les monstres. J'ai pas fait gaffe. C'est quoi? Ah, c'est parce que je me suis posé sur ça. Ça a commencé le défi, en fait. C'est ça, la corne. Quoi, il y a un temps? C'est quoi, mon défi? Il n'y a rien écrit. Je suis teubé? Ah, il y avait sûrement un temps. Mais on est d'accord qu'il n'y avait pas de temps sur l'écran. Enfin, il n'y a pas écrit. Ah, c'est marrant, ça. Pièce de charme. Une pièce étrange. Qui porte la marque de Caron. Typhon les a volés aussi.
Caron économisait pour construire un pont. D'accord. Vous voyez quand j'avais dit que Astier, des fois, c'est marrant, mais ça manque de fin, en fait. Genre là, il économisait pour construire un pont. D'accord. Et c'est quoi la chute de la chose drôle? Vous voyez ce que je veux dire? Arrête, c'est des monstres ça aussi? Casse-toi. Oh la vache. On va se faire défoncer par des poules quoi. Oh la pute. Non, on peut en faire un. Ouh. Des acrobaties. Coincé, appuyez sur A pour exécuter un saut d'éloignement, puis effectuer une double saut pour continuer à grimper. Fais voir. Ah, comme ça, d'accord. Okay. Hop là, ça marche. Ah. Poulet à la con. En baron, on a zéro régène de vie. J'avoue que c'est un peu la merde. J'essaye d'économiser les potions. Genre en trouvant de l'ambroisie et tout ça. Comme ça, on se régène comme ça. Bon, attends, c'est juste des poulets. Ça va, quoi. Oh la putain, mais... Je dis que c'est juste des poulets, machin, ils nous bolossent quoi. Oh. Par contre, toi. Ciao! Bah, au revoir. Vu les dégâts que je lui ai fait, ça va quoi. C'était une attaque à 250. Hein. Et il a quand même pas mal de vie. Hein. Donc ça ira. Ah, voilà. Un petit régène gratuit. Hop là. C'est stylé ça. Pouvoir divin requis absent. Pouvoir divin, ça vous dissuade encore un recul. Ah d'accord, ok. Ouais, pouvoir divin, c'est des choses qu'on doit récupérer pendant l'histoire en fait. Ah mais c'était l'ambroisie en fait qu'on voyait de loin. Je pensais que c'était sur le toit mais en fait non. Par contre, est-ce que je peux, genre, m'accrocher sur le rebord? Pas vraiment. Attends, je peux faire comme ça. L'histoire de Midas offre une morale bien utile aux mortels. Il faut se méfier de ses désirs. Okay, Midas parfait. Ne pouvait plus manger ni boire parce que tout ce qu'il touchait se changeait en or. Heureusement, les dieux n'ont pas besoin de manger. Je serai riche. Et une bonne morale pour toi serait 4. Tout ne tourne pas autour de Zeus. Merde. Ah, je peux enchaîner les. Je peux faire des combos mix en fait.
Hop, dernier avec coup avec. Ok, on peut faire. Genre, je peux faire du 3. 3 fois coup à l'épée, puis après enchaîner avec le dernier coup à la hache, et ça fait le gros coup à la hache x 2. Donc ça va. Pouvoir de... Ouais, bon, on va se casser, j'ai compris. Allez, 200 mètres. Ça va, on se déplace assez rapidement dans le monde et tout ça. Même en début de jeu. J'entends, ouais, il y a un truc à ma droite. Ah. On pourrait la laisser là, l'Ambroisie. Genre si on doit combattre, puis après on revient pour se soigner, on pourrait faire ça. Ce serait une option. Une gorgone? Elles existent? Quelle est cette lueur? Peut-être qu'en approchant discrètement. Ah, voilà. D'accord. Alors donc, pour vous, les monstres ne perçoivent pas ce qu'ils ne peuvent voir. Se couper ou se cacher parmi les buissons réduit votre visibilité et vous rend indétectable. Ok, ça marche. Ah bah voilà, du coup ça va être beaucoup plus fun. Tu veux qu'on le défonce ou pas? Vas-y, on le défonce. Il a l'air un peu... Voilà, voilà, doucement, doucement. Okay. T'as l'air vénère quand même. Bon bah l'Ambroisie on n'aurait pas dû là. L'Ambroisie, on n'aurait pas dû la prendre. Ouh, juste. Tiens. C'est quoi ça? J'aime bien aussi ce genre de petits jeux où on récupère énormément de différents équipements, comme à la God of War, honnêtement. Ces brassards, je les ai déjà vus dessinés. C'est super fun, je trouve, à chaque fois. Et pourtant, Héraclès, le plus puissant des mortels, le tueur de bêtes, a défié Héra et réalisé l'impossible en portant ses brassards. Dorénavant, ils appartenaient à Phénix. On appelle ça de la chance. C'est vrai que les God of War ont toujours été du même système aussi, hein, de tuer les dieux et de récupérer. Arrêtez des atouts. Là, par ici. C'est affrontez vraiment cool. Plutôt quelqu'un qui est armé. Ouais, enfin qui est armé vite fait quoi. elle les a distraits. Désolé pour le bruit. Ainsi Phénix, après avoir triomphé de la gorgone qui avait attaqué Héraclès. Qu'est-ce que tu fais là? Cette attends, chose LP. Avec ta voix. Héraclès? Oui, c'est quoi ça? Alors, les brassards d'Héraclès permettent à Phénix de soulever, tirer et lancer des objets lourds. Maintenez LB et Y pour tirer et soulever un objet, ou appuyez sur Y pour employer la force d'Héraclès. Appuyez sur RT pour lancer, ou maintenez effectuer une lancée plus puissante. Le poids des objets varie selon leur composition. Consomme de l'énergie. Ben oui, c'est comme ça que ça se prononce. Ça a l'air épuisant. Wow. Un coup à s'esquinter la santé. Sauf que je suis immortel. Lâcher. Ça va, pas la peine de le rappeler. Par les dieux, j'ai l'impression de pouvoir soulever une montagne. Lancer, si seulement charger. Ces brassards pouvaient déplacer celle-ci. Non mais vous voulez pas vous embrasser non plus. Cool, ok.
Et après, je peux juste les... Ok. Sympa, sympa. Ça me rappelle Breath of the Wild, genre avec différents pouvoirs. Là. Donc du coup, on est d'accord que... Merde, il est trop loin, lui. Oh! Vache, pas trop loin, en fait. On va rentrer. Attention, on va voir. Hop. Merde. Est-ce qu'il régène ? On a une balance de boules de feu. Ça marche. Ah, mais je suis en combat, du coup, c'est plus lent en fait à régène. Je peux me cacher là, genre s'ils reviennent, ils me voient pas. Ah, ils viennent vraiment où je suis en fait. Non, ça y est, on est... Oh, réapparaissent là. Ils ont pas toute leur vie. D'accord, ça marche. Ah, on apprend. Hein. Ok, ça détruit les... Ça détruit. Très bien. Je vais y arriver à finir ma phrase. Hein. Ça détruit les herbes quand on attaque depuis les herbes. Donc on peut pas genre enchaîner les attaques. Les attaques critiques là. Qui étourdissent. On peut pas les enchaîner. Ça sera un peu OP. Par contre j'ai vu. Oui voilà, ce cristal vert là, je sais pas ce que c'est. Parce que je sais pas si on va pouvoir monter. Ah, du coup, fais voir. D'accord. C'est peut-être quand j'ai plus de potions. Genre vraiment quand je suis à sec. Je vais pouvoir en recrafter. Ça va être chaud de monter là. Non, en fait, non, peut-être pas vraiment. On va voir si je prends une potion. Hop. Yeah, nickel. Ouh, coffre. Oh! Ambre dorée. Collecter l'ambre dorée afin de... Je voulais pas faire ça. J'ai maintenu pause. Parce que... Enfin, je pensais que... On allait avoir un tutoriel. Enfin, quoi de la puissance de vos potions? Trouve de l'ambre dorée dans les coffres de troncs d'arbres lumineux. D'accord, c'est pour augmenter la puissance. Information, se reposer. Ah bah, fais voir du coup. Se reposer accélère l'écoulement du temps, ceci réinitialise aussi les défis mythiques, alors prenez le repos si vous êtes coincé ou désirez faire une nouvelle tentative. Durant la journée, il est possible de se reposer pour faire apparaître un coffre nocturne. Appuyez sur le pour reposer parce que vous êtes en blessure. Maintenez, pardon. Un coffre nocturne. D'accord. Ah, elle peut même pousser les objets en fait avec sa force. Ah, c'est sympa. Non, honnêtement, c'est super cool. Ah, j'imagine, ouais, voilà. Juste un truc à détruire, ça marche. Ok. Coffre là. Il y a autre chose aussi.
Oh, qu'est-ce que c'est? Des fois, c'est un peu chiant. Merde, pas ça. Mais bon. Oh, doucement, 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 mais bon. Ouais, donc, ok. Je pense qu'on meurt. Il était où le coffre? Il était pas là. Ah, mais il était pas là en fait. On avait l'icône, mais il doit être derrière. Ah merde. Oh, c'est pas grave. Sinon, nous on doit aller là-bas. Ok, ça doit être une nouvelle faille. Où ça va? À moi. J'aime bien le fait qu'on puisse oh putain, je vais pas y arriver. Se déplacer avec la vue comme ça pour trouver les emplacements. Bon, merde. Je me demande si ça, ça réapparaît pas. Parce que on a. Ah bah. Parce qu'on a, on a dormi en fait. Ah, fais voir. Aptitude. Ah, même ça, on va pouvoir l'améliorer. Ouh, ça tue. Je me rappelle pas du tout ça. Alors. Enfin, suivez le fuyard jusqu'à l'île en forme de tortue. On était dessus, on était complètement dessus. C'est pas grave. Un jeu que j'attends énormément, ça va être le nouveau Breath of the Wild. Est-ce qu'on peut récupérer de l'endurance si on bouge pas? Non. Est-ce qu'elle va glisser tout le long ou pas? Ouais. Le deuxième Breath of the Wild, il va devrait vraiment être cool. Oh merde. J'ai merdé. Utiliser des potions pour rien. Par contre, je voudrais bien savoir comment on fait. Comment on fait. Pourquoi ça clignote encore ça? Ah oui. Comment on fait des potions? Ça m'inquiète ça. Améliorer les potions. Ah! Et ça aussi. Ok, reconstruction apportée à 6 fragments. Améliorer les potions, rendez-vous dans les chaudrons de Circé. Il faut aller à Circé. D'accord, ça marche. Mais curieux champignon reconstitue 50% de fragments d'énergie fréquents dans la zone rocheuse. Deux fragments. Ah non, je peux les utiliser en fait. C'est parce que j'étais plein en énergie et en vie en fait. D'accord, ok. C'est pas pour ça là. Collecter. Ah, je savais bien qu'il y avait un truc, que ça marche. Non, non, mais c'est donc c'est pas pour crafter des potions en fait. C'est pour les utiliser à la place. Est-ce que se reposer ça redonne des potions par contre? Parce que du coup, je sais pas comment on récupère nos potions. Je viens de dire un peu trop de fois potions. Une minute. Non, on n'a pas récupéré nos potions. Alors, tu veux que j'aille où maintenant? À l'arbre? Non. Où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire?
Suivre le fuyard jusqu'à l'île en forme de tortue. C'est ce que j'ai fait. Non, c'est pas ça. C'est là qu'on doit aller. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Au pied. Faut aller à l'intérieur de la tortue, c'est ça? Ah, trouvé. J'arrive! Comment vais-je entrer? Non, pas par la force. Maintenez traction d'objets. Ah, attends, là il y a des cubes. Oh putain, Zelda. Fais voir. Ah, là en fait, d'accord. Ouais. Fais voir un peu. Ça. Ça va, il joue à Zelda. S'il est tombé dans cet endroit. Je vais te sauver! Je te le promets! Hop là. Yeah, stylé. Bon alors, il y a quand même une chose qui m'échappe. Au lieu d'aller consulter l'oracle au temple d'Apollon, Phénix a préféré suivre cet étranger là? Phénix, qui a bon cœur, a souhaité venir en aide au mystérieux étranger. Mais n'a jamais perdu de vue le fait qu'elle approchait du temple d'Apollon et d'une solution permettant de lever la malédiction pesant sur son frère et ses compagnons d'armes. Ah oui, rappelle-moi d'effacer mes défauts par une formule. Zeus, qui a bon cœur, a tué sa première épouse en l'amenant à se transformer en mouche avant de l'avaler. Quoi? C'est ce qui est arrivé à Métis? Je la croyais chez sa sœur à Babylone. Oups. C'était pas drôle. Enfin, oui, mais... je sais pas. Ça manquait de punch, en fait. Ah, donc, on a des objets lourds, des objets moins lourds, on a vu. Ok, on en a besoin, du coup. La merde. C'est très bien. Je regarde un peu à droite, à gauche, hein, si jamais il n'y a pas des coffres qui nous manquent. Je sais pas si on peut les voir. Hein. Attends, merde. Enfin, si, oui, on les voit un peu, mais... Genre s'il n'y a pas des secrets... Ah, faut voir, on verra. Oh la vache. Qu'est-ce que je les fasse? Je les envoie. Ah, c'est pour m'apprendre à utiliser mes pouvoirs. Merde, ça fait quoi? Je sais pas. J'ai pas fait attention, du coup. J'étais en pleine action. Sûrement ça. Quoi ce bruit? La marque d'Ithaque. Ulysse.
Oh, on a trop de choses. Ça devient un peu comme pour ceux qui ont joué à Zelda Breath of the Wild, on a plein de pouvoirs après, genre on peut invoquer des bombes, genre geler les choses, les attirer, tout ça. Et on peut faire des combos de fou en fait. Manier le pouvoir réclame plus qu'un à trois jeunes gens. Voyons si tu sais le contrôler. Qui es-tu? Montre-toi. Alors comment ça marche? Tuto. Maintenez Alt pour viser. Ok, on a 6 flèches. Tir rapide, donc tir chargé, flèche d'Apollon. Ok, ça marche. Ça marche. Ok, est-ce que je peux tirer Deux des cibles paraissaient assez faciles à atteindre, mais la troisième exigeait la concentration d'un grand archer. Non mais oublie, aujourd'hui les gens savent plus concentrer. C'est le déficit de l'attention, l'hyperactivité, tout ça. Tout cela de la bouche du dieu qui considère une amourette d'une semaine comme une relation de longue durée. Garde la main ferme et tu survivras peut-être, ma petite. Ok, j'imagine que ligne droite c'est pour le... ce qu'on doit récupérer, mais là il y a quoi? Là il y a un coffre, il nous faut le coffre. Ok, ça aurait été trop simple. Flèche là, ok, ça marche. Enfin, cible. Yeah! On récupère plein de trucs. Il y a un truc, on est toujours en difficile, on est d'accord. Hein. Des fois, je me demande. On est en cauchemar. Le jeu est pas très difficile pour le moment. Après, comme j'ai dit, le côté monde ouvert, en fait, dans tous les jeux, ça rend la chose un peu plus simple. Genre le fait de pouvoir balancer des cailloux de loin et tout ça. On a tellement d'options. Regardez. L'œil. Ok, tu veux que je fasse tomber le ça? Ah, tu veux que je fasse tomber et que je le rattrape? Ah oui, mais c'est du coup c'est l'autre touche. Pas du tout. Si. Ah, mais si ça. Ok. Pas assez, j'imagine. Ah si. Il y a quoi d'autre? Moi qui me complique la vie. Ah, il faut le faire tomber, le rattraper avant qu'il touche le sol. En fait, non, pas vraiment. De l'agilité d'Achille, de la vitesse d'Atalante, de l'esprit d'Ulysse et de la force d'Héraclès. Phénix était prête à affronter tout ce que lui réservait l'avenir. J'avoue qu'on a beaucoup de... Quoi? C'est tout ce qu'elle a pour elle? Ah bah, bon courage. Bon courage. J'avoue que là on a beaucoup de choses. Nouvelle carte, vision brouillée. J'approche de l'oracle. Le désir de sauver son frère et ses camarades cuirassait la détermination de Phénix. Répugnante facilité. Ah.
Ok, très bon. Est-ce que je peux utiliser la flèche d'Apollon pour tuer les trucs? Tiens, dans ta gueule. J'aime beaucoup le fait qu'ils se... à chaque fois on les envoie chier très loin. Oh, non, c'est un défi de mémoire. Ah, oh, je déteste ces trucs-là. Trouver l'air dans toutes les régions de l'île d'Or pour réussir au défi mythique, mémoriser la mélodie des petites lyres et jouer-les sur... Non. Merde, j'ai pas vu. La 2-4-1. Attends. Je dois faire où? Jouer la petite lyre et le faire sur la grande? C'est ça le défi? Mais c'est... Je comprends pas. Attendez. Je sais pas. Je sais plus ce qu'ils ont dit. Tacticienne. Élémentaire. Avancer. Inventaire, potion, carte. Île d'or. Défi de lire. Défi mythique. Mémoriser les mélodies. Des mélodies petites lire et jouer sur une... lire de la même région. Ok. Bah c'est autre part alors. On a 2-4-1. Pas trop, je sais pas, on verra. Je suis peut-être bête. C'est possible, ça arrive souvent ça aussi. Il y a une bestiole ici. Merde. Oh la vache, la Victa. Waouh, super. Ah, ça c'est des attaques qu'on peut pas parer. Ouais, d'accord, super. Merde, mais que je fais de la merde. Ok, il sait... ça marche. Quand il fait ça, il se prend un mur. Mais je vais mettre 3 ans à le tuer, lui. Okay. Les cailloux, c'est le top.
va se mettre contre le dos au mur. Merde. Wow. Oh, oh la vache. Le mieux, je crois que c'est de faire ça. Hein. Ça prend un petit moment. Tiens. Cool. Oh la vache. Je vais voir si je fais ça. Ah ouais, voilà. Je me demande s'il faut pas que lui soit sur... là, ça là, pour que je puisse ouvrir, ça m'étonnerait quand même. Par contre, j'ai... ah. Oh la vache. Ça devrait le faire. Ça va au final, on a utilisé quoi? Deux pierres? Deux potions? Une potion? Une potion de vie? Bingo. Ouais non, t'es pas Kratos. Alors, nouvel équipement. Orgueil du géant à un œil. Cool. Ah, donc ça c'est un fragment de santé en plus. Et là, 30% de défense contre les ennemis uniques. Bah, j'imagine que c'est bien pour les boss. C'est joli. Deux supplémentaires d'âges de combo pour porter contre les ennemis uniques. Sur sauvegarder rapidement. Je sais pas, là c'est un fragment de santé, c'est vachement bien. 30% de défense contre les ennemis uniques. Bon, contre. Ouais, contre les. J'entends. Non, mais c'est ça qui doit faire du bruit en fait. J'imagine contre les. Monstre, ouais, qu'on combat un contre un en fait. Du 1 contre 1, on a le 30% de défense en plus. Ah oui, par contre, j'ai vu le... ça, là. Ça, là. Oui, non, mais c'est d'où on vient, non? C'était 2-4-1, je crois, un truc comme ça. Là d'où on vient ou pas? On se balade, hein, on se balade. Parce que là je commençais un peu à... Je commence à bien apprécier en fait le système. Genre ça là. On y est presque. Ah, nickel. Est-ce que... on peut rentrer maintenant où il nous manque des choses.
Ah. Donne ça. Là. Yes! Putain, c'est là en plus. Ah, mais. Attends, il faut tirer, je crois. T'as tué? Ok, ça fait deux. Il en manque encore deux. Petit puzzle là, ok. Poids léger. Toi. Faut que je m'habitue au gameplay. Parce que, en fait, il y a tellement de choses à faire, genre entre l'arc, le pouvoir, machin et tout ça. Des fois, c'est un peu le brouille, en fait. Il y a tellement de choses. Quoi ? Genre, contre le sort de Minotaur, là, j'ai eu un tout petit peu de mal. Pourquoi tu veux pas que je l'active ? Faut que j'enlève le machin ? Ah, ok. Attends, je crois que je peux l'utiliser en bas. Oh. Mais il y a plein d'endroits et plein de trucs à faire. Yeah, on l'a trouvé. Ok, ça c'est le vrai. Ok, celui-là c'est fait. Ouais, celui-là qui permet de. Qui permet d'ouvrir la porte. Donc il nous en manque un. C'est quoi ça? Merde, peut-être que celui-là on peut pas par contre. Ah. Ok, donc faut ça. Ok. Ah, attends, tu vas pas me dire que c'est à la Zelda? Oh putain, c'est ça. Vous voyez que c'est bien l'expérience des jeux vidéo, même des vieux jeux. Genre Ocarina of Time, où fallait s'aligner avec vos flèches pour qu'elles prennent feu et pour allumer les torchières et tout ça. Ah, c'est cool. Merde. Tu m'as pas vu. Merde, non, il m'a vu. Wow, ok, d'accord, super. Ah, mais là, on n'est pas. On n'est pas un contre un, là, c'est la merde, non? Je devrais peut-être changer mon armure. Yeah, honnêtement, je dirais, ouais, je préfère ça. On remettra l'autre quand on sera contre un boss. Ouais, non, mais on va pas casser les rochers. On va pas les utiliser non plus, pas maintenant. Non, mais venez, les mecs, venez. Cool.
J'ai loupé le machin. Bon allez, venez. Donc chier, ils veulent pas sortir ces cons. Du coup ça rend le combat un peu compliqué. Faut pas oublier que je peux parer aussi, un truc que je fais quasiment plus. Ok, faut les tuer. Ah, la harpe, elle est là. Yeah, tiens, pareil. C'était pas parfait. Là c'est parfait. Là, c'est parfait. Je crois que c'est le meilleur combo que je puisse faire pour les dégâts. Vite. Yes, nickel. Le 3 coups rapides et le coup lourd, je pense que c'est les meilleurs dégâts. Non, t'es toujours pas Kratos. Peau de festivité. Je vois un peu. Merde. Alors. Reconstitution de 5% d'un fragment d'énergie en cas d'atteinte. Je sais dire quoi. Genre quand je tape, c'est ça? Par contre, honnêtement, les costumes sont super classe. Ça me fait un peu chier de rester sur celui-là, parce que bon, fragment de santé, c'est cool. Mais quoique la constitution, ça peut être pas mal. J'ai un peu peur, en fait, de jouer avec 3 barres de vie. Non mais attends, tu vas m'en mettre combien des trucs ? À jouer, là. Non mais on va... Merde, pardon. On va rester sur ça. Bon, on a débloqué ça. C'est bien. Toujours pas compris comment ça fonctionnait les harpes. Hein. Je sais pas où on doit faire la musique en fait. C'est pas grave. Quoi ça? Ok. Ah j'aime, je kiffe vraiment le monde. Pas loin. Je kiffe vraiment le monde.
Quoi ça? Encore une harpe. On a... Ouais, on peut y aller pour se remettre full vie. Puis après, on enchaîne un peu sur... sur l'histoire principale. Merde. Pour le moment, le seul truc qui m'inquiète, c'est les potions. Ça, ça peut faire mal, mais ça repousse trop, je pense. Le 3, là. J'ai l'impression que les dégâts sont beaucoup plus élevés. Mais ça repousse trop l'ennemi, donc je pense pas que je puisse vraiment l'utiliser quand l'ennemi est à terre. Oh, là aussi. Alors, histoire, par là-bas. J'aime bien les fées qu'on sprint et coup. Phénix dit que les sbires de Typhon avaient cerné l'étranger, ne lui laissant aucune issue. Le combat s'annonçait difficile. Ah, j'espère que l'étranger va mourir. Tiens. Ah, ça bouge pas. Ça, c'était un beau combat. On a tout défoncé. C'est fini. Tu peux sortir. Non, merci. Je suis bien où je suis. T'as aucune raison de t'inquiéter. Si j'avais voulu te faire du mal, il y a longtemps que je me serais occupé de toi. Très juste. Alors, dans ce cas... Phénix. Original comme nom. Merci pour ton aide, Phénix. Joli bracelet. Merci. Je vais au temple d'Apollon. Il faut que je rencontre l'oracle. Moi aussi. C'est par là. Formidable. J'ai besoin de toute l'aide possible. Nous pourrions y aller ensemble. Hé, le bracelet. Où es-tu passé ? Mes brassards. Mes brassards. Ah, le sale voleur. Non, le salaud. T'es sauvé, je te signale. Tu peux le dire. Non, il faut lui casser les rotules. Je sais ce que tu ressens, ma petite. Oh non. On fait tout ce qu'on peut pour eux et ils nous trahissent. Grave.
Alors, flèche enflammée. Ah, maintenant il nous explique les flèches enflammées. D'autres feux, les gens flammes, bien aimé d'autres feux pour meilleur contrôle de la flèche d'Apollon. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a eu l'idée de cette entrée? Un comique? Un acrobate? Un magicien? Je ne sais pas. Les mortels sont pleins de surprises. Par contre, ça c'est... Ça, je sais pas ce que c'est ça. Genre, faut plonger dedans ou... C'est genre une faille, en fait. Attends, moi je veux récupérer mes brassards. Approche. Viens dans la lumière. Les mystères que j'ai à offrir sont aussi infinis que le nombre de grains de sable qui parcourent le sol de ce monde. Quelle est ta question? Ô sage oracle, comment puis-je lever la malédiction qui a transformé tout le monde en statue? Oh, ça c'est... C'est une vraie question. Je n'en sais rien. C'est pas le jeune? Il avait pas le même collier? Mystère. Dans ce cas, comment puis-je récupérer les brassards qu'on m'a volés? Oh, c'est un autre mystère. Oui, c'est pour ça que je suis venu te voir. Toi, l'oracle. Oui, oui. Eh bien, à ce propos, je ne suis qu'un prêtre. L'oracle a fini en statue. Mais ces fumées, c'est... quelque chose. Tu crois qu'on appelle le sable sable parce qu'il n'est ni sale ni stable? Waouh. As-tu vu un petit homme aux cheveux dorés? Non? Bon. Je vais y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Deux fois le verbe aller dans la même phrase, et pourtant, tu es toujours là! Mon frère a été pétrifié, et je ne peux rien pour lui. La personne que j'ai essayé d'aider m'a volé, et toi, tu n'es bon qu'à rire et à faire de l'humour vaseux! Oh! Tout ça est vrai! Tu es une oracle? Casse-lui la gueule, casse-lui la gueule. En partant, si tu pouvais me trouver quelque chose, je meurs de faim! Le père de ta lignée n'est pas le père des tiens. Un mont orné et sain de boucles mène au gain. Le monstre avance, affamé d'immortels défauts. L'âme héroïque les a tous arrachés. Au fouet, lance l'assaut aidé du messager ailé, et sans tarder, remétamorphose-les. Perles en eau agitée, feu de forge rallumé, enfant persuadé, esprit léger, aîné de Tétis, père renversé, âme héroïque élevée, il est temps pour toi de rentrer. Waouh! Ça, c'est de la prophétie! Quoi donc? En fait de prophétie, je viens simplement de répéter que j'ai très faim. D'ailleurs, si tu peux me rapporter des olives... Hé! Hey, voleur! Ah non. Tu peux récupérer les brassards. Là où tu vas, tu en auras besoin. Viens avec moi. Ah non! Écoute, je regrette de t'avoir volé. Non, c'est pas le même. Et je suis conscient du problème. Alors, ça te va? Non, ça ne me va pas du tout. J'avais besoin d'une offrande pour l'oracle. Je t'ai cru sans importance et je n'aimais pas ta tête. Mais c'est derrière nous maintenant. Il faut qu'on parte. Tu n'aimais pas ma tête? Ah, ils sont sympas. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il sera bientôt là. Qui? J'ai quelque chose qui te permettra de rejoindre la Grande Terre. Où ai-je mis ces ailes? Celle-là? Qui vole l'autre maintenant? Et ne sois pas si triomphante, tu ne peux pas encore t'envoler. Il te manque quelque chose. Comment ça, m'envoler? Concentre-toi. Il nous faut ensuite une jarre qui fut dérobée à Éole. C'est là-dedans?
Je vais commencer les préparatifs. Retrouve-moi au sommet de l'observatoire avec la jarre. Je ne comprends pas. Tu es en grand danger. Aide-moi à t'aider. D'accord. Mais à propos de ce que tu as dit... Et tu n'es plus là. Il est rapide. Bon, allez. Reste à trouver comment franchir cet obstacle. Il paraît que dans une autre dimension, il s'est fait couper les jambes. Je sais plus par qui, mais... Hein. Yeah. Da-da-da-da. Ça fait quoi exactement? Non, mais c'est bien beau, mais en fait ça fait quoi? C'est genre ça me permet de... d'aller dans le trou? J'avais pas l'impression qu'il était bloqué en fait. C'est quoi ça? Ramasser. Non. Est-ce qu'on peut lui parler? Est-ce qu'on peut le taper? Est-ce qu'on peut... Pas du tout. Ça devait être bloqué. Adaptable. Ça aussi, hein, pour en revenir vite fait aux options, elles sont... il y en a vraiment plein partout, c'est vraiment cool. Le chemin labyrinthique qui s'étendait devant Phoenix était intimidant, mais la lueur des étoiles lui montrait la voie. Donc je crois que ça c'est plus léger. Non ? Ouais, je crois que celui-là c'est... Ouais, de la pierre qui s'effrite en fait. Et ça c'est... Je sais pas... Métal. Ah bah elles sont sûrement là, les livraisons que j'attends encore. Ouais, là c'est pareil. Ça va plus vite comme ça. Enfin, quoi que, j'en sais rien. Hop. Oh. Verrouillage de cible, d'accord. Oh, bonne esquive. Rien à porter. Ah putain, ta maman. Petite, tu es allé plus loin que la plupart des gens. Ça marche. Ne t'en fais pas. Je vais venir à ta rencontre. C'est quoi ça? Ah, cool. Soin. Alors, poids léger. Et à gauche, il y a un coffre. Mais attends, ça fait un peu loin là, non? Oh.
vache. Je vais aller taper dedans. Casque de nouvelle Olympia. Olympien. Par contre, c'est... Comment ça se met? Ah, casque. Dégâts à la hache. Cool. Je me rappelle plus qu'on pouvait avoir un casque et tout. Ah, c'est classe. C'est stylé. Bah, du coup, on voit plus ses cheveux, c'est bien. Donc, du coup, on a l'équipement entier, en fait. Personnalisé. Tenez la tête, un signe de respect envers les dieux quand vous portez ce robuste casque. Couvre-chef. Ah, on peut, oui, on peut l'enlever. Personnalisation visuelle. Ah oui, le skin en fait. On peut changer le skin, ça va. Ah, du coup, je peux garder ça et avoir une tenue de... une autre tenue. C'est intéressant ça. Attends, ça c'est 10 de défense. Le reste c'est combien de défense? Ah, c'est toujours 10. Ça c'est bien ça. Bon, on va rester comme ça parce que du coup les deux là vont ensemble. Mais cool. Cool. Par contre, est-ce que je peux pas me téléporter? Non. Attendez, ça c'est quoi déjà? Si les objets de quête à se rassembler, ça marche. Énergie, CV, emploi, compétences, pouvoir divin. Attitude. Dégâts avec les tirs à l'arc, santé est complète, ça marche. Bon, bah, du coup, je vais me planter. Ouais, non, ça va. Nickel. Ouais, j'aime beaucoup le casque. Ah, du coup, il faut ça. J'aime beaucoup. Comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas grand chose à jeter. Hein, parce que dans des jeux, la plupart du temps, des fois, il y a des choses bien, il y a des choses mal, hein, comme d'habitude. Mais dans celui-là, il fait très bien ce qu'il fait, en fait. Comme j'ai dit, hein, il n'est pas transcendant, il invente rien, mais tout est fun, en fait. Même le gameplay, honnêtement, le gameplay est cool. Le gameplay est sympa. On a quoi? Une boule. Là, on a une boule aussi. Ok. Allez, viens. Comme à la Zelda. Viens ici. Je peux manger des... Enfin, ça sert un peu à rien. Vu qu'on n'est pas en combat. Ok, un... Il est où le 2? Elle est juste là. Tada! Ok, doucement. Nickel. Ouh, c'est quoi ça, un boss? Tandis qu'elle traversait les enfers, Phénix songea à ses parents. Était-il à l'abri à Arcos? Ça, c'est un boss. Avait-il, eux aussi, été transformés? Elle ne pouvait s'empêcher de mourir. Allez, un monstre maintenant! Il est énorme! Mais Phénix rit aux éclats. D'accord. Viens voir maman, enfoiré. Non! Bon, comme ça, on va t'amuser. Viens voir maman, enfoiré.
c'est trop mignon. L'adorable monstre était joueur comme un chat, incarnant tous ceux dont elle avait rêvé pour chasser ses idées noires. Il était un doux présent de l'Olympe, qu'elle chérirait à jamais, du fond de son cœur vulnérable, qui alors n'aurait cesse de grandir. D'accord, tu as gagné. Mais si je vomis, c'est de ta faute. Désormais prête, Phénix affronta le monstre, qui soudain attaqua. Non, tu fais pas pareil. Merde. Donne-moi ça. Merde. Faut que je maintienne. Ah, ça fait quand même 3 de dégâts, 3... Ouais, ça fait plusieurs attaques en fait, le dernier coup. Enchaîné de l'attaque légère. Je vais y arriver. Non, prends pas. Ah, c'était facile. J'y suis presque, ma petite. Nous avons tant de choses à nous dire. Même pas besoin de me soigner. Quoi que tu sois, tu ne me fais pas peur. Il y a un truc que j'apprécie aussi, c'est que quand on est locké sur une cible, le fait de sprinter, de maintenir comme ça, ça te déloque en fait automatiquement, donc ça rend la chose un peu plus simple pour se déplacer. Genre pour aller chercher des objets, tout ça. Je trouve ça cool. C'est quoi ça? Un instant. Quand le voleur a dit que c'était la jarre d'Éole, ah bah oui, la jarre. Le dieu des vents serait dessus, pas à l'intérieur. Cette petite chose ne peut pas renfermer le vent. C'est impossible. J'aime bien aussi le fait que le casque en fait réapparaît, mais réapparaît genre ils ont pensé à ça en fait. C'est-à-dire que il se matérialise, c'est pas qu'il apparaît, c'est qu'il se matérialise en fait sur son crâne. C'est vraiment cool ce système-là pour les entre les cinématiques et le gameplay. Comme ça, on peut garder les casques parce que la plupart du temps, les gens n'aiment pas. Afficher les casques et tout ça, c'est parce que ça se voit en cinématique, des trucs comme ça. Donc là, c'est cool. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un coffre à 180 mètres. 110 mètres. Et c'est quoi ? C'est de l'armure à 110 mètres ? C'est là-bas ? Par contre, c'est peut-être un peu plus. Ça va aller là-bas. Ouf. Okay.
printemps. Tiens, on est bon. Un peu peur. Alors. Plus de 5 de 20 parce que la santé est complète. Après, attendez. 30 dégâts avec le combo de plus lorsque santé. Non. Ouais, si on a les 3 barres, on a 100, 250% de défense. Ça, c'est pas mal parce que nous, on est en difficulté très élevée. Donc, dans un sens. Genre, le premier coup, il ferait pas mal. Parce que du coup, on se ferait pas one shot, quoi. En gros, ce serait ça, quoi. Je sais pas. Je sais pas trop. Attends, par contre, 10, 10. 35, 35. Ouais, c'est parce que notre vie. Bah, du coup, ouais, plus 25 bonus. Ça, c'est cool, il y a écrit en fait. Il y a écrit quand les bonus sont activés. C'est vachement bien ça. Contre un ennemi unique aussi. Plus 30 points de défense contre un ennemi unique, on devrait le voir activé si on est seul sur un ennemi. D'accord. Sympa. On va tester un peu. On va voir un peu la défense. J'aurais bien voulu. Bon, on peut le voir dans le menu, donc c'est bien, la défense qui est augmentée. Mais j'aurais vraiment apprécié de voir un visuel en jeu. J'aurais beaucoup apprécié un visuel en jeu. Harpe là-haut. Genre un effet de buff autour de moi, genre quelque chose de comme ça. Ah voilà la grande. Je crois qu'il y avait un truc, c'était 2, 4, 1. Je crois. Allez. Ça, faut faire gaffe que l'ambre, ça a l'air d'être important. Pour l'instant, on peut rien augmenter. Bah monte. On peut rien augmenter avec tout ce qu'on a découvert. Donc, on verra ça. Je pense qu'après, si on continue l'histoire, on va aller dans un village. Muse, chante Hermès. Ouvrez les mélodies d'une petite lyre et jouez-les sur une des grandes mortels comme les immortels. Pourquoi vous tirez dessus? Ils n'en tirent guère profit, mais dans la nuit noire, ils jouent sans cesse des tours. C'est joli. C'est qui ça? Mon poète préféré. Qui est trop. Ah, il y en a 3. Là, j'ai complètement oublié. Super. J'aime bien les animations, c'est sympa. Il y en a 3 du coup. Il y en a une au temple que j'ai complètement oublié. En plus, elle était compliquée. Il était où le temple? Bah il était là, c'est celui-là le temple. Pas un truc. Oh. Hop là. Après le coffre nocturne. Ah, le coffre nocturne, c'est peut-être ça là. Ça. Genre il faut se reposer à cet endroit là. Peut-être.
ça va, on a plein de bouffe. C'était celui-là de temple. Merde, on m'en rappelle plus. Bah, de toute façon, il n'y a pas grand. Il n'y a pas. Pas 50 temples. Hein. Bon, c'est pas grave, on reviendra. J'ai envie d'avancer un peu dans l'histoire. Attraper ça? Non, je peux pas attraper ça. On va... Ah merde, c'est là-bas le principal. Désolé. Mauvais chemin. Combien de champignons? 30. Par contre, je vais en chier en fait. Ah mais faut vraiment qu'on fasse le tour et qu'on reprenne le pont. Oh, quoi qu'attends, il y a un coffre. Et là, on n'a plus le bonus. 20 de défense. Plus 10 de bonus. Ah, c'est un pourcentage en fait. Je comprends pas. Ah, si on reste appuyé, on les consomme les uns après les autres. D'accord. Et là, je devrais être à 35, ouais, d'accord. Oh merde, je peux pas aller dans le menu. Après, on a les potions d'attaque et de défense. J'ai toujours pas utilisé ça. On est bon ou pas hein? Mon dieu. Mon dieu, c'est méga loin. Ah mais d'accord, mais y a pas de... Il n'y avait pas de fond en fait. Je pensais qu'il y avait un fond au bout d'un moment. Merde. Aïe aïe aïe. Oh la vache. En fait, faut se reposer sur ça quoi. Dans la merde là. Ça sauvegarde automatiquement le jeu. Okay. Non mais attends, là je... Non, là je fais de la merde là. Est-ce qu'on peut pas se téléporter sans déconner? On peut pas se téléporter à un endroit parce que là. Déplacement rapide. Yes! Ok. Parce que là, non. Là, ça va pas le faire. Ok, donc c'est ici qu'on doit aller. Bon, bah on fait le tour. C'est
parti. J'ai hâte d'avoir un peu plus d'endurance et tout, quoi. Ça va être marrant. Mais en très peu de temps, ça va faire à peu près 2h30 que je joue au jeu. Ah, merde! Je me suis loupé. Ça va faire à peu près 2h30 que je joue au jeu. Et on a récupéré pas mal de pouvoir. Non mais quelle merde. Heureux que... Hop, 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 hop. Ça va, ils sont sympas. Ok. Ça on l'a fait. Là-haut il y a un coffre. On va aller là-haut d'abord. Je me demande si les ennemis réapparaissent. J'ai pas l'impression. Peut-être faut dormir. Enfin se reposer. Peut-être là ils réapparaissent. Je sais pas du tout. Mais là il y avait deux chevaliers. On les a tués. Ils sont jamais revenus. Faut retrouver des statues, je crois. Ça, par contre, j'ai l'impression que ça revient, ça. Ah, là. En fait, faut ramener les animaux au berger, quoi. J'imagine que si on met un caillou, ça marche pas. Et j'imagine que ça doit pas être très très loin non plus. Bah voilà. Nickel. Crinière de troupes. J'aime bien, on récupère vraiment pas mal de différents trucs. 150 dégâts ennemis de dégâts à ennemis indemnes. Hmm. Genre il faudrait faire du one shot. Là on était à 26. Là on passe à 28. C'est pas beaucoup. À la limite 150% de dégâts en plus. Mais il faudrait... Ouais, faudrait débloquer des attaques en fait. Genre on fait une grosse attaque énorme. Oh! L'attaque... Ah non, non, je crois que c'est des dégâts fixes. Ça fait 250 de dégâts à l'attaque sournoise là. Oh. L'attaque sournoise. Ça m'étonnerait que ça soit augmenté. Enfin, si c'est augmenté, ça tue. Ah si, c'est augmenté, 625. D'accord. Non, si, oui, je suis quasiment certain que c'est augmenté là. Je dirais. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est
faire la première attaque avec ça, et puis après on change de casque en fait. Parce que le truc il est plus indemne, donc ça sert plus à rien. Ouais, ça lui fait la moitié de sa vie quoi. Et après on met ça. Ah, attends, je voudrais bien sauvegarder, fais voir. Donc, si on met en deuxième, on mettrait ça. Genre contre les boss. J'en sais rien, je sais pas si ça vaut le coup ça. Genre comme ça, sauvegarde rapide. Hop, hop. Qu'on puisse pas juste appuyer. Oh la vache, trois coups. Je sais que j'ai des cailloux en arrière. Fais chier le poulet là. Maintenant, moi, ce que je voudrais, ce serait des sets qu'on peut changer le paquetage, là, genre qu'on n'ait pas besoin d'aller dans le menu. Ça m'étonnerait que ça qu'on puisse le faire. Par contre, si on maintient select, maintenant, ça va directement à la map. Donc ça, c'est une chose. Ah, c'est vraiment cool quoi. Alors, il est là, le défi mythique petite lyre. Ok. Alors, on a fait 50 de dégâts au lieu de 20, je crois. Ouh. Ah, il est vraiment cool ce casque. Vraiment sympa. Par contre, on va se mettre full vie pour avoir le buff de défense. Oh merde. Après j'avoue que c'est un peu chiant de devoir changer d'équipement. Merde. Ah. Pas très très bien joué, mais pas grave. Trois, un, deux,
3, 1, 2, 4, 4. 3, 1, 2, 4, 4. Et donc les ennemis réapparaissent. 3, 1, 2, 4, 4. La grande truc, elle est là. 3, 1, 2, 4, 4. Cool, on peut se déplacer à ça, c'est sympa ça. C'est peut-être parce qu'on s'est déplacé rapidement que les monstres réapparaissent. 3, 1, 2, 4, 4. 3, 1, 2, 4, 4. Caron, pièce de Caron. Par contre, j'aime beaucoup cette tenue en fait, parce qu'elle a l'air de fonctionner. Même si la défense. La vie est pas complète en fait. Je pense que ça doit marcher en bloc peut-être. Parce que là, on est à 20 de défense, on a plus 10. Après, quand on est à full, on est à 35. Faudrait qu'on descende encore notre vie plus, voir si on a quand même un petit bonus. Bon, histoire. Du coup, faut aller au temple. Oh putain, faut refaire le tour. J'arrête pas d'être distrait en fait. Et chaque zone en fait va avoir. Comme ça quoi, des trucs à faire. Des énigmes, des puzzles, des monstres. Nickel. Là on l'avait fait. Ok, on a dit histoire. Ah merde, mais je suis pas au bon endroit encore. Je me suis encore perdu, désolé. Ah non, là on est de retour au village brûlé. Ah là là. Ah, ici, défi mythique. Puis en plus, c'est tout droit. Go. Ok. Ça marche. Je peux peut-être tomber et faire les ailes au dernier moment pour éviter de me prendre des dégâts au lieu de... Chaque fois de m'accrocher là, de descendre petit à petit. Il y a un truc, je le trouve pas. Non, c'est pas grave. On avance. Alors, coffre juste ici, pardon. Je regarde les troncs aussi des arbres au cas où. Ah ah.
On l'a fait celui-là, non? Attends, c'est où que tu me mets, toi, qu'il y a un coffre? Genre quoi? Dans l'eau? Mètres. Ah, ça doit être dans la paroi alors. Parce que j'ai vu qu'il y avait des. Là. Ouais, c'est là. Ok. D'abord, je voudrais prendre ça. Nickel. Et deux. Il en faut un troisième. Il y a des trucs sous l'eau apparemment. Enfin, je crois. Je crois rien du tout. On est bon. Ouh, j'avais un peu peur. J'ai eu un peu peur, surtout qu'on voit que dalle, quoi. Quatre, trois, quatre, un. C'est facile là, comme ça, à mémoriser. 4, 3, 4, 1. Il y a une petite aide à la visée, même pour ça. Vous voyez, ça... Bon, là... Ouais, non, ça le fait encore. Vous voyez, ça stick dessus, c'est pas mal. Ça aussi, c'est bien. Je sais même pas à quoi ça sert, ça. On verra. Bon, est-ce qu'on peut se re-téléporter, par contre? Ça, c'est quoi, ça? Déplacement rapide... On l'a fait sur la lutte d'Ulysse. Oui, on l'a fait, on a récupéré tous les trucs. Ok, ça marche. On a un coffre juste derrière nous et on a ça aussi. Steel Bandit, Covid, God, 01. C'est quoi ça? Est-ce que c'est des joueurs, ça? Ah, genre qu'on prit des photos? Covid, God, c'est bien comme, comme nom, tu vois. Pourquoi pas t'appeler Cancer? Non, merde. Ah, on peut. Ok. Là, on va pouvoir se faire, lui. Oh, mais c'est quoi cette merde? Défonce-moi dessus.
Très bien. J'aurais dû changer d'équipement à un moment et tout ça. Ça fatigue. Ça fatigue d'aller dans le menu. Après, je pense que le 250% de défense, je crois qu'il est plus ou moins justifié. Contre des trucs comme ça, parce qu'ils font très, très, très mal. J'imagine que le coffre, il est là. Dans la paroi, encore une fois. Aïe, aïe, aïe. Zoom, ouais, non, mais non. Comment... doucement. Sous la chute d'eau, peut-être. Non. Ah, là. Je sais pas si on était allé... Non, on n'est pas allé, là. Faut un truc. Il me faut un truc. C'est quoi ça? Après je peux taper, non? Et voilà. Oh, il y a un truc à droite. Une jarre? Je vais l'emporter, au cas où. Jarre de bronze, ça sert à quoi? Ça par contre, j'ai l'impression que c'est... Ah, il y a un truc en dessous aussi. Un défi? Ah, ça doit être ça. Ok. C'est où? C'est juste là-bas. Oh là là, enfin c'est juste là-bas. C'est loin. Bon, ben go avec ça, des champignons. On se téléportera pour partir. Cette portion de la carte risque d'être modifiée pour l'instant. On songeait à revenir plus tard. Ah bon? Voilà un soldat qui ne se réveillera pas tout de suite. Peut-être qu'il a été victime de la même tempête qui a conduit Phoenix sur le rivage. Mauvaise nouvelle. Au moins, il est au bon endroit pour qu'Hermès guide son âme vers les enfers. Et puis après tout, s'il était vivant, il n'aurait pas gagné grand-chose. Il aurait été transformé en statue, non? Phoenix va devoir trouver des offrandes pour ses funérailles. Et puis quoi encore? Phoenix a déjà une mission à remplir. Pour nous! Reste concentré, Phoenix! Ok. Ah, d'accord, ok. Ah, mais du coup, il faut de l'endurance. Ça me remet de l'endurance ou pas? Non. Ah, si. Non. Non mais j'ai pas d'endurance moi. Ah non mais c'est pour ça en fait qu'ils me disent que... Que je peux pas le faire. C'est parce que je manque d'endurance. Je crois. D'accord. Ce qui me paraît logique. Ça marche. Vraiment pas paraître vide mais après RS c'est une source de gêne. J'ai récupéré les 3 offrandes sur la tombe du soldat, 0 sur 3. Là, ça doit être... Ok. Bon, cette partie, là, en bas, on la fera pas. Enfin, pas maintenant, en tout cas. Pas maintenant, déplacement rapide. J'espère que ça nous téléporte pas dans la faille. À côté. On va s'arrêter là, ça va faire 2 heures. Parce que j'ai fait mon premier épisode pendant 1 heure. Enfin, 45 minutes exactement. Et je me suis dit, on va faire le deuxième un peu plus long parce que j'aime le jeu. Parce que j'aime le jeu. Donc on va s'arrêter là.
On commence à avoir un équipement sympathique. 150% de dégâts aux ennemis indemnes, donc ça c'est bien. Du coup, pour faire les attaques sournoises, là, dans le dos et tout ça, c'est super mal. Ça pour la défense, c'est vachement bien. Donc, vraiment cool. Après, pour le combat, pour les boss, je dirais ça, parce que bon, ça, on a 10% de dégâts en plus pour les haches, quoi, mais c'est tout. Mais pour l'instant, on reste comme ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa, et on va continuer l'histoire la prochaine fois. Comme ça, on débloque, je sais pas, peut-être les augmentations. Je pense que ça doit être là, bah à gauche, là, ça, le, ça. Si je me rappelle bien de ce que j'avais vu en stream là, avec Shayna, c'est là où on va rencontrer des gens, on va pouvoir faire des augmentations, les armes, les armures, les habilités et tout ça. Mais en plus, on a déjà pas mal de petits objets, donc on va pouvoir faire quelques trucs. Ça risque d'être cool. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao.